qu'il y a de bien avec toi, Fantasio, c'est que tu vois toujours les choses en grand. C'est un sapin de château, ça, mon vieux Spirou. Ce n'est pas si souvent qu'on peut fêter le réveillon avec le comte. Oh, tiens, notre ami a sorti son vieux sidecar. Drôle d'idée par ce temps. Tonnerre, c'est lourd. Et donc, il y a de quoi décorer la tour Eiffel. Et alors, j'ai gardé mon âme d'enfant, moi. Qu'est-ce que... Oh, mais... Monsieur le comte... Spirou, Fantasio, sapristi, je ne vous avais pas entendu venir, sac à papier, quand je pense à ce qui aurait pu vous arriver. Mais qu'est-ce qui aurait pu nous arriver, monsieur le comte, à part ce petit bain de neige? Eh bien, voyez vous-même... Le sidecar ratatiné. Non, mais ne me dites pas que j'ai failli être miniaturisé comme ce... Mais si, mon ami, ce micropulseur a bien failli vous réduire à peu près au dixième de votre taille réelle. Si toutefois il a le même effet sur les êtres vivants que sur les objets. Un micropulseur, votre dernière invention, je suppose. Dans ce cas, voilà une invention qu'il ne faudrait pas laisser entre n'importe quelle main. Certes, mon cher Spirou. Mais tenez, voici votre cadeau de Noël. Je vous sais grand amateur d'objets rares. Fantasio, mon ami, vous êtes, je crois, passionné d'électronique miniaturisée. Oui, en effet. Oh. Tirez sur ce poste, voulez-vous, mon cher Spirou? Vraiment étonnant. C'est ce qui s'appelle un beau jouet de Noël. Beaucoup plus qu'un jouet, mon cher Spirou. Pensez par exemple aux énormes quantités de déchets qu'engendrent nos sociétés. Mon micropulseur faciliterait considérablement leur élimination. Mais en attendant, joyeux Noël, mon cher Fantasio. Ohé, la cuisine, venez voir. Le sapin du siècle est terminé. Sapristi, mais c'est tout simplement splendide. Un vrai festival son et lumière. Sac à papier, je n'attendais plus personne. Qui peut bien... Ne bougez pas, c'est sûrement le Père Noël. J'y vais, c'est un copain. Joyeux... Hein? Monsieur Caténaire, cyanure. Prenez-en un peu de cet élixir de framboise de ma fabrication, monsieur Caténaire. Il est fort revigorant, vous savez. Merci, mais vous êtes bien sûr que je ne vous dérange pas, monsieur le comte, un jour pareil. Mais non, voyons, Spirou et Fantasio m'ont souvent parlé de votre extraordinaire androïde. Poursuivez plutôt votre histoire. Eh bien, comme je vous le disais, j'ai eu la faiblesse de vouloir réanimer Cyanure pour Noël. La solitude me pesait sans doute. Vous êtes incorrigible, monsieur Caténaire. Je me doute de ce qui a dû arriver. Hélas, une fois de plus, elle a tout cassé et s'est enfuie finalement. J'ai pu enfin la rattraper tout près d'ici. Quoi? Cette calamité venait au château? Oui, j'ignore pourquoi. Heureusement, ses réserves d'énergie électrique étaient presque épuisées. Vous connaissez sa force. Sa force cataclysmique, oui. Oh, vraiment, je crois que je vous dérange. Pas le moins du monde, sapristi. D'ailleurs, pourquoi ne pas réveillonner avec nous? Bonne idée, monsieur le comte. Ouais, même Cyanure fera une charmante convive du moment qu'elle est KO. Une de mes spécialités, la dinde en jardinière de jeunes chanterelles. Boah, les papilles me chatouillent. Un toast à notre hôte. Eh bien, mes amis, il faudra nous contenter de mes jeunes chanterelles, je le crains. Dites, monsieur le comte, votre engin, là, n'aurait pas une marche arrière, par hasard? Vaut bien une dinde, monsieur le comte. Steve, mais qu'est-ce qui... Sabonneur! Tonnerre! Joyeux Noël! Misérables unités biodégradables! Cyanure!
Nous avons des comptes à régler, tous les deux. Comte, gardez-vous à droite. Monsieur Comte, gardez-vous à gauche. Ce que je me demande, mon cher Caténaire, c'est comment vous avez pu donner à votre robot cet étonnant et dangereux pouvoir sur les objets électriques. Oh, monsieur le comte, si seulement je le savais. Une incompréhensible et terrible erreur de programmation, je suppose. Eh bien, mon cher Caténaire, votre créature, en effet, ne manque pas d'un certain piquant. Changez en crapaud. Oh, non, non, non. Assez de sorcières pour ce soir. Je savais bien que cette créature gâcherait mon réveillon. Et même hors circuit, elle émet de mauvaises ondes. Soyons justes, Fantasio, ce n'est pas elle qui a micropulsé la dinde. Sac à papier. Quelle tempête. Eh bien, mes amis, je pense qu'il est temps de dormir. Je conduis Monsieur Caténaire à la chambre d'amis. Dites, nous ne risquons rien, au moins. Non, soyez sans crainte, Cyanure ne peut recharger ses accumulateurs qu'en captant la lumière du jour ou une forte dose d'électricité. Mais la tête couverte, c'est impossible. Ses électrophotocapteurs sont dans ses cheveux. Ah ben moi, je lui ferais bien une coupe à ma façon à cette harpie électronique. Ah, ça y est. Cette fois, c'est l'insomnie. Spirou, tu dors? Mais comment il fait? Oh. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Ah. Oh, c'est peut-être la fin après tout. Mille tonnerres, c'est Caténaire. Oh non, pitié! Hein? Oh non, Cyanure, pas ça! Oh, pauvre homme, toute sa vie est un cauchemar. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est intéressant, ça. Et amusant, comme disent les humains. Voyons, soupe aux champignons, tarte aux champignons... Tiens, au fait, nous n'avons même pas goûté ce volatile micropulsé. Une petite cuisse, peut-être? Pas très copieux, évidemment, mais normalement, il devrait y avoir autant de calories. Mais ce cher maître, celui qui me prend pour son jouet... Tonnerre! Eh bien, c'est le maître qui sera le jouet. Oh, le tout petit jouet de Cyanure. Caténaire, attention! À ton tour, petit bonhomme! Le monde entier sera mon jouet! Désolée de te quitter si vite, petit blondinet, mais j'ai besoin d'un plein d'énergie. On se reverra. C'est ça, démon, on se reverra et t'auras une drôle de surprise. Oh. Fantasio ? Oh. Fantasio ! Pourvu que... Fantasio ! Slipper ! Qu'est-ce qu'il... Oh. Hein? Fantasio! Oh non! Spio et Spip... Fantasio! Oh, Spiro, quel malheur! Voyez ce qui est arrivé. Oh non! C'est un cauchemar! Oh. Oh, mon cher Duplumier, ça, c'est ce qui s'appelle un réveillon. Certes, monsieur le maire. Hé, hein? Quoi? Duplumier, halt! Oh! Réveille-je? Où sont-ce les trompeuses effluves de trompantes agruéliques agapes? Mais j'y songe, Duplumier. Ne jouxtons-nous pas la sombre demeure du comte? Ah, la chose est claire.
Une fois de plus, nous voici les innocentes victimes des sataniques sortilèges de ce lieu fou. Monsieur le maire... Ah, cette fois, c'en est trop. C'est la goutte de moutarde qui fait déborder le vin. Nom du plumier, la narco-alchimie ne passera pas à champignon. Monsieur le maire... Du plumier, ce bégaiement inopiné ne me dit rien qui vaille. Hélas, la découverte du principe actif de mon micropulseur, un extrait de l'Epiotus ratatinus, fut parfaitement accidentel et je ne suis même pas sûr que le processus soit réversible, en particulier sur des êtres humains. Quelle tragique négligence. Ça y est, monsieur le comte, nous sommes prêts. Souriez, Fantasio, c'est le costume marin de la poupée de grand-maman. Ouais, non seulement je me fais micropulser, mais en plus on veut me tuer de ridicule. Je préférais le pyjama. Mais Spirou, je vois que vous êtes toujours résolu à rattraper Cyanure. Tenez, prenez ceci. Du métomol. Bonne idée, monsieur le comte. Après tout, Cyanure n'est qu'un robot. Du métomol? Ça transforme le métal en caoutchouc mou. Mais rassurez-vous, je ne m'en servirai qu'en dernière extrémité. En caoutchouc mou? Tu as raison, Fantasio. Elle va chercher à se recharger en électricité. Oui, mais où? Qu'est-ce que... La voiture de Duplumier, micropulsée! J'ai même cru apercevoir le maire. Eh bien, Champignac va enfin pouvoir former son club de minimes. On s'occupera de plus tard. Il faut rattraper Cyanure avant qu'elle ne micropulse tout le village. Monsieur le... Un nightclub. Tout paraît calme, mais quelque chose me dit que... Non, non, c'est pas vrai. Excusez-moi, monsieur. Nous cherchons une jeune femme. Enfin, le genre punk, vous voyez. Parce que cette dingue est ta copine. Mais tu vas dérouiller à sa place, Minus. Non, mais tu t'es regardé, demi-portion. Non, pitié, oh, retenez votre faux. Le malheureux. Ah, tu parles, ça veut jouer les durs. Et ça a peur d'un petit écureuil. Le village. Heureusement, tout le monde doit dormir à cette heure-là. Nom de nom! Hein? Au pied, papillon! Au pied! Du pilon! Ouais, ben, ou c'est pas la bonne clé, ou alors c'est pas la bonne maison. Oh, une femme géante, une amazone. J'ai vu une amazone. Et par où est-elle partie? Vers le centre-ville. Merci. Et tâchez de rentrer chez vous. Nous reviendrons vous aider. C'est cela, oui. Rentrez chez moi. Jamais vu un écureuil aussi gros. Hé, hey, mais qu'est-ce que... J'aurais dû y penser. Le magasin de jouets. Il reste illuminé toute la nuit. T'as raison, Spirou. C'est par là. Je crois que nous sommes sur la bonne piste. La voilà, la lumière que cherche Cyanure. Oh, dis donc, on dirait que quelqu'un nous attend. Oui. Et ça m'étonnerait que ce soit le Père Noël. Soyons méfiants. Nom de nom, c'est un piège. Avant tout, il faudrait couper l'électricité. Enchanté et joyeux Noël. Enfin, voilà. Figurez-vous que je nous ai programmé un petit jeu. Vous serez, j'en suis sûre, des jouets très très intéressants. Attrapez-les. Attention. Attention!
mon petit jouet. Sors de ta cachette. Sors, tu m'entends? Ah, tu veux jouer à ce jeu que vous autres humains appelez cache-cache? Alors, ce sera un cache-cache fatal. Bonne idée. Ah, quel charme, mon petit mât. Fantasio! J'arrive, Fantasio! Dépêche-toi, je déteste jouer à l'aérobic. Spirou, attention! Attention, elle revient! Tu n'es pas un jouet très coopératif. Mais je vais te rendre un peu plus docile, insecte. Cyanure, tu n'attraperas jamais Spirou. Ah, tu crois ça? J'ai idée d'un nouveau jeu qui le fera certainement sortir de sa cachette. Non, non, lâche-moi! Non! Oh, cette créature est diabolique! Ça va être du sport! Je vais te laisser t'amuser tout seul au petit train électrique. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu es perdu. Personne ne peut plus rien pour toi. Oh, trop court. Spirou, électricité, électricité, tout ce bazar marche à l'électricité. Débranche-le. Compris? J'espère que c'est la bonne piste. Oh. Allez, cyanure, elle contrôle le train. Vous ne pouvez plus rien contre cyanure, petit bonhomme. Vous êtes mes jouets, mes pions. Toi seul peux sauver Fantasio. Tu comprends? Réduit à cette taille, le métamol devrait être seulement plus concentré. Du moins, j'espère. Oh, tonnerre! Je n'ai jamais été aussi content de rater un train. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Du métamol. Ça transforme le métal en caramel mou. Ouais, imagine les dégâts que ça ferait dans tes circuits intégrés, ma douce. Alors je te conseille de te tenir tranquille, Cyanure. Je suis sûre que c'est du bluff. Non, deux, non. Plus de métamol. Cyanure, je t'en supplie, ne tire pas. Sapristi, Caténaire, vous êtes fou. Le comte, Caténaire. Au format normal, il y a de l'espoir. La lumière! Rallumez la lumière! La lumière! Rallumez ou je... Eh bien, mes petits, le jeu ne fait que commencer. Prenez garde! Tous aux abris! Oh, tous mes jouets préférés sont réunis. Je n'en demandais pas tant. Mes amis, vous voilà sains et saufs. Mais que d'émotion, sabre de bois. C'est en effet le genre de réveillon qu'on n'oublie pas de sitôt. Évidemment, ce dispositif est assez sommaire, mais j'ai dû faire vite. Élégant couvre-chef, en tout cas.
Je t'en prie. À ton tour. Évidemment, c'est beaucoup moins bien assorti avec un costume marin. Oh, ça c'est malin. Et si vous permettez, monsieur Caténaire, je vous conseillerais de changer de jouet. Si vous voulez, je pourrais un de ces jours vous aider à travailler à quelque chose de moins dangereux. Quoique moi-même, parfois, je me demande si nous ne devrions pas tous faire plus attention, nous autres scientifiques. Ah, au fait, mon cher Pirou, faites-moi penser à vous rendre votre cadeau de Noël. Le sidecar n'est décidément plus de mon âge. Sapristi. Mais c'est vrai, il faut s'occuper de tous les champignastiens micropulsés. Du plumier, halte. 6 heures pour faire 16 kilomètres. Je poursuis pédestrement. Du plumier, je vous le dis d'un pied ferme, bien que paternel. Votre conduite est indigne d'un fonctionnaire de Champignac. Et c'est sans compter vos abracadabrantes histoires de sorcières aussi géantes qu'inexistantes. Je crois qu'une légère mise au point de mon rétroviseur s'impose. Monsieur le comte, en tant que premier magistrat de Champignac, je vous ordonne de me descendre de là maintenant et sans délai. Ou je sens que la goutte de moutarde qui déborde du vase me montant à la tête vous pend au nez.